Per il nostro soggetto di inserte siamo in Urto, una wade che è sempre stata assai conosciuta per la sua attività agricola. Ce n'è da parlare avami a Malarogne, andremo prima di Jean-Pierre, Uvratedo, in traccia di Mugnese Pecore, tratteremo appena di la sua attività, e poi dopo andremo in Devanina, a Zoreda, in traccia di Va Ugaggio Sartinese, un caso appena particolare. Mundi ma mattina, mica troppo presto. E di regola mundi c'è una persona per mundi, di volte in due, mundi in due, se non ti seduce d'altre travate a fare un'antipegura, a fare il sciugnolo o a fare altre affari. E più o meno c'è un'ora e mezzo per mundi. Ecco, mundi due volte al giorno, se non ne avali le mutusi, siamo passati una monta al giorno. O più facciamo un principio di stagione, cacciato l'anghiede di novembre e dicembre, sono i più grossi mesi di produzione. Passiamo 350 pecore, più o meno. È una logica di noi di va a pecora corsa, nel senso di va a ugaggio corso e di proporre qualcosa che corrisponda al nostro territorio, alle tradizioni del luogo. Ecco. E poi una pecora a vera per essere arrivata qui di noi, è più tamantina, lattaglia. È una pecora lattaglia, visto il peso, è una pecoretta tamantina. E pourtant, faccio il latte e poi la noce. Bonjour! Alors, madame Malarogne, expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, on est en train de mouler le fromage. En fait, on prend la traite de la veille, matin et soir, donc la traite à 24 heures maximum. Ce qui nous permet de ne pas nous attendre le matin, de commencer chacun à nos horaires. Et voilà, on peut avoir notre organisation ensemble et séparée à la fois. Et on fait du cajou sartinese. Et après le cajou sartinese, on fait brochupasso. Notre brochupasso, nous, est fumé, comme on le fait traditionnellement dans le sartinese. Ce cajou sartinese, qu'est-ce qui le différencie des autres fromages? Bon, déjà, c'est une tome, c'est une pâte pressée non cuite. Dans le Sartenay, on faisait ce fromage de garde. C'était certainement lié au bassin démographique, qui était quand même relativement faible. Et les gens avaient besoin d'avoir une ressource protéique d'une saison à l'autre. Et donc ça, c'est un fromage de garde. Il me semble que les régions en Corse où on fait de la pâte molle sont des régions quand même avec une population plus importante où il y avait davantage de commerce. Que chez nous dans le Sartenay. Et sinon, les spécificités de ce fromage, c'est sa forme. Il a les talons arrondis et historiquement, il est fumé. Nous, nous continuons à le fumer. Et pareil, je crois que c'est lié aussi à la sociologie locale. Le berger vivait et travaillait dans son casier. Et quand il faisait le feu le soir pour se réchauffer, pour assainir son casier, le fromage séchait aussi et prenait la fumée. Et on a fait quelques créations sur une base de traditionnel où on a rajouté du poivre, des herbes du maquis ou encore de la myrte. Ça plaît à nos clients, ça plaît aux locaux, et c'est vrai aux touristes, mais ça plaît aux locaux et ça nous plaît.